les amis, c'est Jodéon, j'espère que vous allez bien, c'est parti pour une nouvelle série que j'appellerai tout simplement Miku. Tout simplement, donc pourquoi nouvelle série? Eh bien, nous venons tout simplement de terminer le Dreams Legacy saison 1, ne vous tracassez pas, il y aura une saison 2. Mais pas tout de suite, j'ai envie d'un petit peu faire une pause avec le Dreams Legacy et de jouer avec une série un peu plus détente, un peu comme les aventures de Jodéon, sauf que ça sera Miku Hatsune, notre héroïne. Donc voilà. Donc qu'est-ce que j'ai mis? J'ai mis Génie de la musique. On va peut-être essayer de lui faire... Vous savez quoi? C'est avant de dire que peut-être que je fais souvent ça. Je crois juste que je vais peut-être prendre d'abord pour commencer. Pour commencer, tapez pas parce que c'est vrai que je prends dans beaucoup de séries ce trait-là. À la popularité. Amis de tous, voilà, comme ça on va essayer de se faire des postes, ça va être notre premier objectif. Et notre deuxième objectif, j'ai décidé de toucher à une... comment on appelle ça, une... un métier auquel je n'ai pas l'habitude, c'est-à-dire j'aimerais bien tester un petit peu le métier de scientifique avec Miku, donc hop, on va prendre tout de suite ça. Donc oui, je vais pas prendre dans la musique forcément, voilà, je vais tout simplement voir pour découvrir un petit peu d'autres métiers avant, faire des choses que je n'ai pas l'habitude de faire, histoire d'avoir un petit coup de frais dans mes parties des Sims 4, parce que bah, je trouve que souvent, bah, je fais souvent la même chose, et puis bon, c'est déjà assez avec Amis de tous, où là, je le fais assez souvent aussi. Donc, scientifique, appel à tous les cerveaux, êtes-vous du genre geek qui aspire à porter un jour de l'aluminium sur la tête, qui décore son seau avec d'immenses réserves remplies de liquide bouillonnant, d'un sorti prouvant qu'il est assez de matière grise pour changer le monde, peut débloquer de nouvelles tenues que celles de chasseurs de Venite. Ok, nickel. Donc, bah voilà, on va faire ça. Donc, ce soit donc recrutement comme technicienne de laboratoire. Et hop. Oula, ça bosse beaucoup, ça bosse beaucoup. Faire deux découvertes, comment est-ce qu'on fait? Les directeurs scientifiques peuvent sonner à n'importe quel moment pendant que le scientifique est en état de contemplatif, par exemple lorsqu'il jardine, lorsqu'il lit ou lorsqu'il mène des expériences. Ok. Lorsqu'il jardine... ok, ben on va peut-être essayer de faire ça, de trouver des légumes. On va faire ça. Récolter des produits, hop. On peut pas le faire maintenant? Ok, c'est pas grave. Non, c'est pas bon. Ok, d'accord. Ok, on peut pas... Bon. On peut ici, non? Ok, tu vas d'acquérir la compétence jardinage, c'est nickel. Hop. Ah oh, bah y'a rien, dites donc. Ah oh, bah dites donc. C'est pas cool ça. Donc pour ceux qui sont fans des vocaloïdes, ne vous tracassez pas, j'ai rajouté d'autres vocaloïdes. Non, je ne compte pas respecter les histoires créées par les fans. Je compte créer ma propre histoire, tout simplement parce que bah, je pense que ce sera plus marrant comme ça. J'ai envie de m'éclater, je ne compte pas mettre Miku avec Kaito ou truc du genre. Non, je ne compte pas. Voilà, mais... J'espère que vous ne serez pas déçus, mais c'est comme ça. récolter les produits... Oh, on peut pas... Oh, y a pas... Voilà, on chope tout. On va essayer de faire les collections aussi. Tiens, j'ai vraiment envie de faire les collections avec la Miss. Donc faire deux découvertes et se présenter à Dissim. C'est avoir trois amis. J'ai un ami. Ah d'accord, ok. J'ai Liberty. D'accord, alors que j'ai pas parlé avec elle. C'est pas grave. Ici, il y a plein de Sims. Oula, tes cheveux qui sont un petit peu buggés. Ouais, ils sont un petit peu buggés. C'est pas grave. Oh, ils sont chelous, les gens. Moi, je me présente à tout le monde. Hop, qu'est-ce qu'elle fait, notre Miss? Ok, elle continue. Hop, c'est nickel. Ben voilà, c'est bien. Et je pense savoir aussi ce qu'on va faire demain matin. Nous allons aller dans un lieu public que j'ai créé. Enfin, pas créé, que j'ai relooké. Vous savez bien que je me plais à relooker bah,
les lieux publics dans les Sims quand je fais des nouvelles séries pour ne pas que vous ayez les mêmes lieux publics partout. Et j'en ai relooké un pour les aventures de Miku. Parce que voilà. Et j'ai pris un lieu que moi j'aime bien. Station amicale, allez, présente-toi. Salut. Ok. Ok, on va rentrer chez nous. Bon. C'est bon, allez, rentre chez toi. Hop. Voilà. Donc sa maison, je l'ai pas beaucoup. Enfin, j'ai juste mis quelques petites choses et rien de fou. D'ailleurs, j'ai même oublié de mettre une chaise pour qu'elle puisse aller sur son ordi. C'est honteux, 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 honteux. Je suis qu'à du mal à charger tous les téléchargements. Mon dieu. Le pauvre. Qu'est-ce qu'on va te mettre? Bon, on va te mettre cette chaise-là. Hop. Voilà, la turquoise. Et on n'a même pas d'éclairage décent ici. Hop. Voilà, éclairage. On a une rose. Oui, voilà. Éclairage rose. Voilà. Tadam. Nickel. Bon, où est-ce qu'on peut... Donc, j'ai pris cet endroit parce qu'en fait, je le trouve bien grand. Et je trouve que ça peut être chouette, voilà, pour planter des trucs et tout ça. Je sais pas par contre où je pourrais les planter. Je pense juste que je vais peut-être les planter ici, peut-être le long. Ok. Est-ce que je peux déjà les planter? Est-ce que j'ai la compétence planter? Ok, nickel. Donc on va essayer d'avancer, hein, de faire des trucs bien, hein, avec cette série. Ah, mais pourquoi tu m'as fait ça? Faut pas me le mettre là. Tu me l'as déplacé. Pourquoi? Non. Il était bien là, aligné. Non. Non. Bon, oh là là. Ça admire ce jeu qui n'est pas enclin. Voilà. C'est bon. Bon. Hop. On va se manger un petit truc. Cuisiner. On va se cuisiner. De la salade du jardin. Une portion individuelle. C'est parfait. Pour commencer, parce que bon, là, elle n'a aucune compétence, quoi. Je vais vous montrer, là, juste jardinage, là, que vous avez vu qu'elle a acquéri juste maintenant. Donc, voilà, j'ai jamais joué avec cette Sim7. Je sais même pas pourquoi est-ce qu'elle est amie avec l'autre. J'ai pas compris. Surtout que j'ai pas vraiment joué, quoi. J'ai juste fait un lieu public. Ok, elle mange des crottes d'oreilles, c'est super. Oh là là. Ah tiens, je vais peut-être mettre une autre lampe, à mon avis. Ouais, il faudra que je mette une autre lampe parce que là, elle mange un petit peu dans le noir. Oh là là, sainte mère, les amis, j'aurais dû penser à tout ça avant. Hop. Celle-là... Ouais, celle-là est bien. Hop. Celle-là, je l'aime pas trop, qui pend de vue comme ça. Je préfère celle-ci. Je la trouve plus sympa. Et voilà. Hop. Ah bah, on a déjà un peu plus de clarté, hein. T'aimes pas ta salade du jardin? Elle est de quelle qualité? Qualité, ok. Ok, bah, c'est bien. C'est bien. On a envie d'une bonne petite salade, là, Miku, là. Je me suis pris un petit lave-vaisselle aussi. Nickel. Donc, est-ce qu'on bosse demain? Ah zut, oui, on bosse demain. Zut, c'est nul. C'est nul. C'est pas grave. Bah écoutez les amis, il n'y a pas de souci. C'est pas grave. Faut aussi que j'ouvre les... Ouvrir. Ah mince. C'est pris comme une action, d'accord. Je pensais que ça allait me l'ouvrir automatiquement. C'est pas grave, je vais... ouvrir. Ok, nickel. Bon, on va placer les petits
les petits trucs qu'on a eu ici. Extraire le fossile. Hop. Extraire le fossile. Hop, voilà, on a des fossiles. Voilà, c'est nickel. Donc, bah, dodo, hein, dodo. Donc, il faut qu'elle aille au travail concentrée, qu'elle ait fait deux découvertes. Ouais. Ouais. Bon, voilà. Par contre, les amis, ça sera une grande... Quand je dis quand on parle de découverte, ça sera effectivement une grande découverte que... de jouer avec cette carrière parce que je n'y ai jamais joué en fait, tout simplement. Voilà, ce sera vraiment une belle découverte. J'espère qu'on aura plein de sous. On va vite se faire un petit truc à manger, cuisiner. On va se faire des œufs brouillés, portions individuelles, voilà. Quand on aura un peu plus de sous, on essaiera d'avoir une femme de ménage. Aussi, ça sera bien pour éviter qu'on aille à faire le ménage. Bon, dites-moi un peu ce que vous pensez de Miku. Est-ce que vous la trouvez bien faite? Est-ce qu'elle vous plaît? Bon, en tout cas, moi, je l'aime bien comme ça. Je la trouve très, très cool. Donc, demain au boulot, enfin, au boulot, on va essayer de se présenter à des gens pour se présenter à bah, 10 Sims. On va essayer de, peut-être pas forcément avoir des amis, mais voilà, on va voir. On va essayer de faire ça. Je vais juste checker en vitesse dans les options du jeu pour voir si j'ai bien désactivé le vieillissement. C'est bien, il ne vieillisse pas. Nickel. Bon. Elle a besoin de parler. Discuter. Voilà, on va faire ça. Un petit peu augmenter sa jauge avant d'aller bosser. Donc, il est temps pour Miku d'aller travailler au laboratoire et qu'il fait des presse carnet. Ok, bah, hop, on y va. On y va. Je vous prends là-bas. Bienvenue au laboratoire Future Sims, vous serez occupé à réaliser des expériences fondamentales, à rechercher de nouvelles technologies, peut-être même à interagir avec des espèces extraterrestres. Votre travail consiste à optimiser les performances du matériel scientifique de très haut niveau pour le bien de tous. Nous espérons, oui, tout cela pour dire bienvenue. Donc voilà, en scientifique, nous allons voir un petit peu... voilà. Attention, Michael. Faire une première découverte, faire une expérience de laboratoire de chimie, surfer sur le web, sur un ordinateur. Ok, donc qu'est-ce que je peux faire? Contempler. Donc ça peut-être. C'est en contemplant, c'est ça qu'on pouvait faire. Hein, contemplateur contemplatif, ok. Peut-être pas discuter avec elle. Regarde juste. Est-ce que ça pourrait aller, vous pensez? Faire une expérience. On va essayer de faire ça. On va essayer de faire ça. Hop. Oula! Donc c'est une expérience sur la hauteur de chimie pendant une heure, ok. Il y a déjà une ambulance qui vient, les gars, ok, elle ferait une connerie comme vous pouvez entendre. Oh là là, sainte mère, ces ambulances près de chez moi, c'est abominable d'habiter entre deux hôpitaux. Fais doucement, Miku, ne fais pas n'importe quoi, s'il te plaît, ma belle. Oula! C'est une découverte? Je ne sais pas, je découvre en même temps que vous, hein, soit du moins pour ceux qui n'ont jamais vu le truc chimie. J'avance un petit peu plus vite. Yes, premier truc, ok. Faire une analyse. Ok, ben on va essayer d'analyser quelque chose. Où est-ce qu'on peut faire ça? On n'avait pas... Ah, il est là, le truc d'analyse. Bon, allez, arrête. Faire une analyse. C'est bien, le gars a justement fini.
Elle a fait une première découverte. C'est super. Il m'en faut encore une. Inventer le conservateur d'impulsion. Ok. C'est super. Je t'ai vite voir pour me... Station amicale, pour me présenter à mes collègues de travail. Voilà, c'est super. Allez. Parle pas trop, s'il te plaît, parce que tu dois aller faire... Ah là, acquis la compétence logique. Bon, on y va. Oh, qu'est-ce qu'elle nous fait? Qu'est-ce qu'elle fait, Miko? Qu'est-ce que tu fais? Donc elle fait un conservateur d'impulsion. Qu'est-ce que c'est que ça? À quoi est-ce que ça pourra bien nous servir? Désolée, je suis contemplative devant, devant le robot parce que... Enfin, devant ce qu'elle fait. Parce que là, je découvre vraiment. On va essayer d'aller au bout de cette carrière parce qu'en fait, pour tout vous dire... je vous en avais parlé dans la Sandrims du mois de novembre. Ouh, mon micro. J'ai Poussin qui m'a offert un petit livre, 100 trucs pour réussir sa vie dans les Sims 4. Et il parlait beaucoup du pistolet qu'on a dans le truc de scientifique. Et je me dis, j'aimerais bien avoir ce pistolet en fait. Ça peut être assez pratique. Vu tout ce qu'il expliquait avec. Oula. Ah, un truc apparaît dans la poussière. Comme elle fait un petit tap sur le robot, c'est trop mignon. Mettre... Je peux pas le mettre... Discuter avec le robot. Oh, c'est trop chiant. Ah, je kiffe. Ah, oh, c'est trop chou. Je peux pas le mettre dans mon inventaire. Ah si, ok. Yes, j'ai un truc dans... Yes, c'est super. Je vais plutôt garder ça pour chez moi. On va sûrement jouer plutôt à ça chez nous. Faire une expérience à la boîte de chimie. Faut faire une expérience. Bon. Hey, mais il m'a piqué mon truc. Mais bouge! Oh, tant pis, je vais surfer. Ah non, ça va, ok. Allez. On continue à faire des expériences. Si on peut faire une deuxième découverte, ça pourrait être super. Ne mets pas le feu à tout le truc, s'il vous plaît. Plus de choix, web. Surfer sur le web. Ah, je dors une autre petite ampoule au-dessus de sa tête. Est-ce qu'elle aurait fait une autre découverte, les amis? Je ne sais pas. Si j'annule, est-ce que ça va me mettre qu'elle a fait une découverte? Non, j'ai pas l'impression. Par contre, il faut absolument qu'elle aille aux toilettes, la pauvre. Ça devient un petit peu urgent. On y est. Demandez à Krista, là, collègue. Attendez, hop, où est-ce qu'ils sont mes collègues? Ils sont déjà tous barrés? Ah non. On va rester plus tard. Présentation amicale, on va se présenter à lui. Oh, y a plein de choses encore ici qu'on n'avait pas vues. Salut.
Attends-toi. Donc, hop, plus à Mickaël peut-être. Demandez à Crystal. Il est geek, ok. Oh, super! Demandez du métal. Ouais, si tu veux. Super! Lire un livre. Oula! Je fais n'importe quoi. J'ai pas des bibliothèques. Ah si, j'en ai une là. Est-ce que j'en ai là tout près? Je n'ai pas la prise d'en avoir là tout près. Non, je n'en ai pas. C'est pas grave. Hop. Il y a quelque chose. What? Elle est enjôleuse, d'accord. J'ai pas compris pourquoi, mais c'est pas grave. Donc Miko fait très fantastique aujourd'hui, le prestige académique et les réussites scientifiques ne devraient plus tarder. Oh super! Est-ce qu'elle aurait une promotion? Oh ça pourrait être trop cool! Ça pourrait être trop cool. Je vois déjà qu'on est au bout de, du temps qui nous était imparti, les sushis. Je vais devoir vous laisser. J'espère que vous aurez apprécié ce premier épisode de Miko, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt avec d'autres vidéos. Ciao ciao! Et un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et montrer que vous aimez la série aussi. Bisous!